Oh là là, Kaji, viens dans mes bras. Waouh, je suis trop contente de te revoir. Regarde-toi, tu es toute belle. Moi aussi, Pokam, waouh. Trop d'années ont passé, tu restes aussi ravissante. Ah oui, tu brilles, dirais le premier rayon du soleil. Bon, viens par la maison. Ok. Dis-moi, je te sers quelque chose à boire. De l'eau, du jus, de la bière ou autre chose? Pas maintenant. Ok. Laisse-moi encore t'admirer. Je suis trop contente d'être chez toi. Merci. Tu te rappelles quand nous étions au collège? Oui. On se demandait comment allaient être nos maris. Comment on allait organiser nos foyers et entretenir nos maris pour qu'ils n'aient jamais rien à vouloir dehors. Kaji, là tu me rappelles tellement de choses. On s'était même promis de se marier au même moment. Oui. Malheureusement, après la mort de mon papa, beaucoup de choses ont changé dans ma vie et l'instabilité s'est installée. Nous nous sommes séparés, ce n'est que 5 ans après qu'on se revoit, tu te rends compte? Grâce aux réseaux sociaux. Tout le temps, j'ai pensé à toi. J'ai cherché à savoir ce que tu étais devenu, où tu étais et avec qui tu t'es marié. Ma copine, le mariage est encore en attente. Mais... j'ai quand même mon homme avec qui j'ai 2 enfants, mais pas encore marié. Tu sais, les hommes sont devenus tellement vilains que l'idée du mariage ne me traverse pas présentement l'esprit. Je suis épanouie, mes enfants sont en petit soin. Donc, le mariage reste un léger détail. Kaji, tu es sûre que ton gars t'aime vraiment? On dit généralement que lorsque tu aimes une femme, tu l'épouses. Parce que l'épouser, c'est la mettre en sécurité. Pour celles qui sont accro au mariage, oui. Tu sais, le bonheur est partout, même dans le célibat. Nous avons passé un week-end adorable avec maman. On est allé sur la plage avec les enfants, on s'est amusé comme jamais. Du retour en ville, on est allé laisser les enfants chez moi. On est allé prendre une chambre dans un hôtel et c'était... waouh, trop magnifique! Le goût de ça, hache! Dis-moi, ton mec et toi, vous vivez dans la même maison? Jamais! Jamais je ne permettrai à un homme de vivre sous mon toit! Non! Il a le chez lui. Je n'y ai jamais mis les pieds et ça me convient ainsi. À chacun son espace. Il faut vraiment avoir un esprit coriace pour supporter une décision de la sorte. Parce que moi, je ne peux pas. Je me connais. Que la jalousie va d'abord me donner l'AVC. Pokam, je suis une vaccinée de guerre. Ça se voit, non, maman? Allô chérie? Tu es où? Je suis chez une copine de longue date. Ah d'accord. Je
Je veux que tu me campagnes quelque part. Tout de suite? Non, disons dans 2 heures. Le temps pour moi de prendre un bain et de me mettre quelque chose sous la dent. D'accord, sans souci. Tu vas passer me prendre chez ma copine, comme ça vous allez faire connaissance. On verra bien, on verra bien. On verra. Ok bébé, je t'aime. À tout à l'heure. Mon chéri, si, il aime tellement être avec moi. Toujours à vouloir que je l'accompagne partout. J'ai la chance. Kaji, il est amoureux de toi, ma copine. Aka, on mange ça. Qu'il me donne de l'argent que j'investis et mange l'autre avec mes enfants. Toi, hein. Je n'appelle pas son nom là. Kaji, non. Kaji, j'espère que ce n'est pas l'histoire que tu m'as racontée tout à l'heure. Kaji, dis-moi que c'est pas ça. Mais que fais-tu ici? Donc comme ça, tu es le mari de ma copine? Même pas le père de mes enfants, c'est quoi? C'est fou! Non! Seigneur, 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 je me suis foutu dans quoi? Comment vais-je faire pour résoudre ce problème? Toute ma désolation, Poka. Je ne suis au courant de rien, je t'en supplie. Excuse-moi. Je peux tout expliquer. Tu n'as rien expliqué. S'il te plaît. Je suis sincèrement désolé. Thank you.